Good morning, allez, Iden, je suis aujourd'hui le Nishmat, François Fadji Ben Hana, Janine Ruth Bat Fatoum, Sidna Kouchlomo Ben Shalom, et Ishayaou Ben Linda. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Brachot, avec tête, Mishnah Gimel, Bana Bait Hadash, Vekana Kelim Hadashim, Omer Baruch Sheikheyanu, Vekimanu Veganon Nazé. Mevarech ala ra'a me'en atova, ve'al atova me'en ra'a, Atsouek le Shavar, Arezot Vilachav. Ketsad, Aïta Ishto Meuberet, la mariée, Rasam Shetel, Ishli Zahar, Arizot Velachav, Ayaba Badrech Veshamakol Tzevacha Bahir Vamar, Irazon Sheloyu Elu Bnebeti, Arizot Tefilat Shav. On commence à traduire Bana Beit Hadash, on continue bien évidemment avec les brachot particulières. Je rappelle, non, plutôt, je rappelle d'abord la fin de la Mishnah précédente, parce que là, c'est le début, il va avec la Mishnah d'hier. On avait vu que sur les bonnes nouvelles, on fait la bracha de Atov et Amitiv. En l'occurrence, une bonne pluie, ou Psorotov, toute bonne chose qu'il reçoit. Si par exemple, il ne devait plus avoir, on avait une, peu importe, un vrai problème qui s'est terminé. Je ne sais pas si sur une fin de guerre, je ne vais pas poser la question. En théorie, quand même, eh bien, une source d'eau qui est sortie à l'époque où il fallait arroser l'eau, Il fallait arroser les champs, il fallait se prendre la tête pour irriguer de l'eau depuis le fleuve là-bas. Et puis d'un coup, il y a une grande source qui s'est mise à jaillir d'ici. Toutes sortes de ces choses-là, eh bien, il fallait faire Baruch HaTov Amitiv, qu'Hachem fait qu'il est bon et qu'il nous fait du bien à d'autres personnes en même temps. On avait expliqué aussi que il faut demander, est-ce que je reçois une bracha personnelle ou une bracha pour tout le monde? Une bracha générale. Une bracha générale pour tout le monde, c'est Baruch HaTov Amitiv. Une bracha, une tova personnelle, c'est Baruch Sheikhyanu. Et c'est justement ce que la Mishnah me dit maintenant. Bana Bait Hadash, s'il s'est construit une nouvelle maison. Vekana Kelim Hadashim, ou encore, il a acheté des nouveaux ustensiles, pas que des vêtements. Ça peut même être une bonne chose. Ça peut être toutes sortes d'ustensiles, si jamais ça me fait plaisir. J'ai acheté une belle voiture. Le principe, il est simple. Mets Hachem dans tout ce que tu vis autour de toi. Donc, en théorie, tu achètes une belle voiture, tu es content. Ne commence pas à sourire et à te sentir tout fier. Remercie Hachem, Hachem, t'as permis d'avoir une belle voiture. T'as construit une nouvelle maison. Ne t'enorgueille pas. Comment c'est dit dans le passouk, la fin de Parashat Vayetranan. Il y a l'Omirubechem, Chachak, Hachem, Bachem. Hachem, il n'a pas choisi l'homme Israël parce que vous êtes nombreux, mais plutôt Kiatem Ameat, parce que vous êtes peu nombreux. Et quoi? Comme dit le Rashi là-bas, vous êtes Mematim et Tatsmer. Quand Hachem fait une Tova, un Goy, il se sent fier comme un phoque, et puis il fait le beau, il s'enorgueille. Chez les Bnei Israël, plus on reçoit des Torahs, plus on est encore plus proche d'Hachem, on le remercie, on est ému de reconnaissance envers lui, et on se plie encore plus à faire sa volonté. Et justement, pour pouvoir tout de suite avoir cet effet-là, il faut que dès qu'il y a quelque chose qui te réjouit, tu mets Hachem dedans. Et quelque chose qui te fait de la peine, tu mets Hachem dedans. T'avais quelque chose de très précieux que tu l'as fait tomber, tu mets Hachem dedans. T'as tout, toujours. Tu relis tout à Hachem comme ça tu dis Hachem à fleur de peau. Et comme ça, tu restes qui a tem améat, tem mematim et tatzmer. Au contraire, vous savez vous rapprocher, vous rabaisser, vous rapprocher d'Hachem avec tous les événements qui passent autour de nous. D'accord? Ça c'est l'introduction générale. Donc du coup, tu as construit une belle maison, tu es content. Remercie Hachem. Dis, Baruch ata Hachem al kenem al haolam, sheikhyanu vekimanu vegenu rezman hazé. De même, vekana kelim chadashim, tu as acheté des nouveaux ustensiles. Tu es content que tu t'es acheté un set de chaises dans ton salon. Ça fait 10 ans que tu traînes avec des chaises en plastique, d'un coup tu t'es fait plaisir, tu t'es acheté de belles chaises. T'en es fier. Eh bien remercie Hachem. Vous avez compris le principe? L'usage, il y a beaucoup qui pensent qu'il ne faut plus faire toutes ces brachot à notre époque, juste sur les vêtements, c'est l'usage. C'est une discussion. Rav Ovadia Youssef, il dit de faire la bracha. Dans le Shulchan Aruch, c'est rapporté qu'il faut les faire. Personnellement, je les fais en général, c'est même je sens que je suis très heureux. Je suis content d'avoir acheté une belle caméra, d'avoir acheté un tout ustensile. Ne sois pas. T'as reçu une belle montre. Tu fais une bracha, Baruch, chez Echel, avec un nouveau année, que t'as reçu un bel ustensile. Au contraire. D'accord? Ensuite, et donc on a dit, Ben Abayt Hadash, Kanakelim Hadashim, Omer Baruch, chez Echel. Il dit la bracha de Baruch, chez Echel, à Kamana, chez Echel, qui nous a fait vivre, Vekiyemanu, qui nous a maintenu, Vekiyanu, il nous a fait arriver, l'Azmanazé, à ce jour-là, où je reçois cette bonté. Ensuite, Mevarech, ala ra'a, me'en atova, ve'ala tova, me'en ara'a. Une phrase assez compliquée à traduire, d'abord j'explique le principe. C'est que vous savez bien qu'il y a des fois des bontés qu'on reçoit, mais qui vont ensuite enclencher d'autres misères, dans le doute, même des fois, peut-être des fois même certainement,
Ou des fois, on a des misères qui sont en fait annonciateurs aussi de bonté qu'il va y avoir ensuite. En l'occurrence, par exemple, imaginez un fleuve qui a débordé, il est sorti son lit, il a envahi mon champ. Cette année-là, j'aurais plus de récolte, tout est mort. Mais d'un autre côté, j'aurais une terre qui a été super bien arrosée. L'année prochaine, en 2 ans, je comble le manque, et au bout de 5 ans, j'ai doublé mon gain. Imaginez que c'est le cas. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais lorsque le fleuve déborde? Je suis triste, je dis Baruch Tainemet, ou je suis joyeux, je dis Baruch Sherianu, ou Atov Amtim. La Mishnah vient me dire, sache que tu fais. Si tu as une ra'a, même s'il y a un semblant de bien dedans, c'est une ra'a. Tu fais une ra'a sur le ra, sur le fait que maintenant, pour le moment, tu as une perte. En l'occurrence, Baruch Dayan Aemet. Et inversement, si tu as une tova, mais qui peut être aussi un annonciateur de galère, tu as reçu une grande bracha. Par exemple, tu as reçu, comme il nous dit le Bartanora, que tu as trouvé une belle enveloppe dans la rue. Maintenant, attention, tu as trouvé une enveloppe dans la rue, tu la prends, tu es content, mais d'un autre côté, on est dans un pays où tous les objets trouvés, il faut les donner au gouverneur. Et si tu ne les donnes pas au gouverneur, eh ben, tu peux te faire mettre en prison, tu peux te faire dénoncer, il y a plein de gens qui t'ont vu. Comment ça va se passer? Pour le moment, tu as reçu une tova, tu fais une tova, même si elle peut être annonciateuse de misère ensuite. Tu fais la bracha sur une tova parce qu'au moment, tu as gagné de l'argent. D'accord? Maintenant, troisième sujet de la Mishnah, Atsoek le Sheavar a réseau tefila tchav. Celui qui fait une tfila sur ce qui s'est passé antérieurement, sur ce qui s'est déjà passé, a réseau tefila tchav. C'est une tfila qui ne sert à rien. La tfila, c'est de demander à Hachem qu'il réside, qu'il veille sur nous et qu'il fasse réussir nos actions. C'est ça, faire une tfila. Si c'est quelque chose qui s'est déjà passé, alors soit ça a été, soit ça n'a pas été. Tu fais une tfila sur quelque chose qui est déjà passé, ça ne sert plus à rien. À titre d'exemple, Keitzad, comment on se présente le cas, Alta Ishto Meu Beret. Si sa femme, elle était déjà enceinte, ça y est, elle a passé les 40 jours, elle a un embryon viable dans le ventre. Et maintenant, il espère avoir un garçon. Et qu'est-ce qu'il va dire? La Marie Irasan Chetelet Ishti Zahar. Que soit la volonté d'Hachem que ma femme accouche d'un garçon. A réseau tfila tchav, c'est une tfila qui ne sert à rien. C'est trop tard. C'est avant qu'il fallait prier. Mais maintenant que ce que t'as, si c'est une fille, ça va pas. Il n'y a rien qui va pousser automatiquement. Si c'est, tu voulais le contraire, tu voulais une fille, elle a un garçon dans le ventre, ça sert à rien. Ce qui est là, il a. Et donc tu ne peux pas. C'est une tfila tchav qui sert à rien. C'est une tfila qui sert à rien. Là, sans aucun sens, ça n'a pas lieu d'être. De même, Ayaba Baderer, il était en train de venir dans la rue. Il dit, Yehi Ratson, Veshama Kol Tzvacha Bair. Il a entendu des cris à partir de la ville, comme si Kras Veshalom, il y avait quelque chose de terrible. Et puis, il dit, Vamar, Yehi Ratson, Shelo Yu El Obenedi. Pourvu que ce soit la volonté d'Hachem, que ce ne soit pas, que ceux-ci que j'entends qui sont en train de souffrir, qu'ils ne soient pas les membres de ma famille. D'accord? Par exemple, il est en train de marcher. Il est en train de rentrer chez lui après un long séjour, il voit un terrible incendie dans la ville, il dit, il rassemble que ce ne soit pas la même maison qui est en train de brûler en feu. Soit c'est elle, soit c'est pas elle. Tu peux faire une bracha, que si c'est pas encore sa maison, que ça ne s'étende pas sur les autres maisons. Ça, tu peux faire une bracha. Mais c'est que ce ne soit pas elle, soit ça l'est pas. C'est trop tard, c'est une tfila tchav. D'accord, vous avez compris? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout, c'est là.